Salut la commune, c'est parti pour Final Fantasy XVI, épisode 3. Oh, pour l'instant, très bonnes impressions hein, sur le jeu. Un début un peu long, parce que forcément, tutoriel d'intro prologue, puis prologue, enfin tuto sur le hub chez Cid. Et donc là, on est en mission pour retrouver l'émissaire de feu. On a eu un premier donjon fort sympathique. Et let's go pour plus, quoi. Oula, il me laisse me balader dans les vignes. J'ai pas moyen de... Ah, mais je peux sprint? Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? Non, là, il me fait un dash. Oh, je peux me balader. Je peux me balader dans les vignes, au secours. Mais faut que t'ailles plus vite, Clive, par contre. Domaine de Golton. Golton. Domaine de Golton. Bonjour. Alors comment on joue déjà? Comme ça. Très bien. Voilà, là il va plus vite, mais il va plus vite. Ah d'accord, mais c'est automatique en fait le sprint. Donc, pas d'objet ici. Pas... Up ahead. Oui, attends, j'ai pas fini de visiter, frérot. Des vraies questions aussi, des vraies questions. Attends, je vais aller là-haut, moi. Ah, faut que t'ailles plus vite, Clive, par pitié. 10 gils, non mais frérot. C'était à chier. Ah oui, il y a un truc que je veux faire. Équipement. Attaque 3, attaque 2, pas confusion, mais dégâts de stagger 3 et l'inverse pour celle-là. Je pense que je préfère les dégâts... Je veux tester l'onde incendiaire. Alors, l'onde incendiaire dresse un mur de flammes et projette des ondes de choc brûlantes à travers. Si un sort ennemi touche le mur, il est annulé et plus d'ondes de choc sont lancées. C'est un pari en fait. J'ai 452 points. Je pourrais améliorer des compétences. Us. Ah, ça coûte cher. Je pourrais économiser encore un peu et essayer d'améliorer l'une de ces trois compétences. Putain, l'onde incendiaire, elle coûte aussi cher à améliorer? Elle est si craquée que ça? Et ça, c'est quoi? Éclipse du phénix, très bien. Ah, il m'en reste une que j'ai pas. Feu résurrecteur. Oh. Crée un immense tourbillon de flammes qui inflige des dégâts aux ennemis sur un grand périmètre et soigne ses propres... Moi, je veux ça, moi. Oh, mais 1695 points, quoi. Pour économiser sec là. Mais j'ai pas un launcher. Parce que j'ai regardé un peu le let's play de Max Dude. Et lui il arrive à utiliser un launcher. Donc, je sais pas comment il se démerde. Combo aérien. Combo. Esquive. Saut. Tout à fait. Est-ce qu'il va bill percer la percée qui ne sert à rien, je comprends pas. Vu qu'on a déjà le flash du phénix. Piqué tranchant, ça on a. C'est pour ramener au sol. Est-ce qu'il utilise la lame ardente pour launcher, je comprends pas. Genre est-ce que si je fais... Ah ouais, c'est ça le launcher, putain. Et tu vois, ça ils le disent pas. Hein. Donc faut que je charge l'attaque. Je saute. Et j'attaque et ça launch. Et je gueule à l'infini. Et c'est gratuit. Incroyable. Insane. Moi, c'était ces maisons là-haut que je voulais, on est d'accord, hein, oui.
Faut que t'ailles plus vite, Clive, par pitié. Je t'en supplie. Bon, par contre, je veux bien fouiller les vides, mais s'il n'y a pas de coffre ni rien... D'ici, on les verrait briller, les objets, j'ai rien raté. J'ai pas l'impression. Alors, on va le tester. Ah, j'aimerais bien tester aussi le... C'est un pari. Il faut attaquer, là. Ok, super. Non, mais... Eh bien. Ok. Faut tester le... Launcher aussi. Ça marche. Par contre, je vois pas pourquoi je voudrais cancel pour faire un combo aérien. Sauf si du coup je peux enchaîner sur un combo aérien plus rapidement et du coup je fais plus de DPS. Coffre, objet, truc, machin, rien du tout. Super. Bon, on peut se balader dans les vides, mais il se passe pas grand chose. Ah, ennemi, ennemi, méchant, méchant. Oh, bonjour! Allô? The fuck? C'était des quoi? Des Valedois? Des Valeredois? Ce qu'on voit, bon, ok, le sprint est automatique. Hein. Oui, destination atteinte, ok. Encore des ruines de la civilisation disparue. Je sais plus comment elle s'appelle. La Nef Déchue. Territoire impérial de Sandbreak. No sign of the royalists. Or anyone else for that matter. It's too bloody quiet. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scouts. You start here, I'll circle around the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout. Subtle. Souvent dans la Nef Déchue. I don't even know what he looks like. Chercher l'espionne de Cid. Corbeau, c'est beau les ruines hein, de cette civilisation disparue là. Ah, et là j'ai accès direct au truc. La civilisation céleste, voilà, c'est ça, tout à fait. L'émissaire de feu. Un mystérieux personnage encapuchonné qui est apparu lors de l'attaque de Sandbreak sur le fort Phoenix. Clive pense qu'il pourrait s'agir d'un second émissaire de feu encore inconnu jusqu'à ce qu'il. Jusqu'ici, et le tien pour responsable de la mort de son jeune frère Joshua. Il espère qu'un jour le capturera afin d'assouvir sa vengeance. La civilisation céleste, une civilisation avancée qui était florissante dans un passé lointain. Ses présumés vestiges se trouvent éparpillés aux quatre coins de Valistea. Ces structures ont été construites avec des matos d'une dureté inégalée qu'il est impossible de reproduire avec les techniques actuelles. Il arrive donc qu'elles servent de base pour la construction d'habitations au vu de leurs particularités. La Nef Déchue, un village situé au nord-est de la Grande Cile, une forêt du centre géographique de l'Empire de Sandbreak, jadis important, relais pour le commerce de la région, la construction de nouvelles routes fit perdre à la Nef Déchue tout rayonnement, au point que son nom finit par disparaître des cartes. Elle a été bâtie autour de vestiges d'un aéronef. Quel aéronef? De quoi tu parles? C'est une civilisation céleste, il est où l'aéronef?
Oui, je sais que j'ai atteint la destination, que tu peux l'enlever. Là, je pourrais me TP à machin. Et comment je fais pour savoir s'il y a des nouveaux trucs à la zone Bon, pour l'instant, on va avancer encore un peu. On va pas se TP au repère. On va laisser le hub tranquille. Alors, est-ce que c'est la peine que je fouille, là? Très beau, les petites lucioles. Miss me. I'm flattered, but let's stick to the plan, eh? Aïe. Bah, moi, en fait, je voulais juste fouiller, frérot. Alors, si j'ai accès à des coffres ou quoi. Oui. Bonjour. Non, mais je sens que ça va servir à rien de fouiller, là. La musique, je la trouve trop discrète par rapport au reste du jeu. On va tester un truc. Désolé. Non. Volume des effets sonores, on va baisser à 90. Mais bon, on va laisser à 100. Et je vais monter encore un peu le volume du jeu, on va voir. Oh! Oh, la récompense, aigle noir. Tout ça pour ça. Putain, faut avoir envie de le trouver, le loot, hein. Par contre, faut vraiment qu'il fasse un truc pour le motion blur. C'est déjà en train d'étaler du beurre sur mes yeux, là. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que je me fais chier à explorer? Je me casse. Bah, tu t'es TP, toi. Bon, je sens que ça va pas du tout être un jeu exploration. Alors, vraiment, pas du tout. Il se passe rien. C'est tout right. Je ne suis pas l'un d'eux. Mon ami et moi, nous sommes avec l'Imperial Army. Et nous sommes venus pour aider. Tu sais où tes parents sont? In the church. Then I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? To the church, then. The bad men took everyone to the church and I... Ça c'est. Help my mommy. C'est les Valedois qui cassent les couilles. Je pourrais aller là aussi. The church, I know. I'm one step ahead of you. Ah bah. Going through the front, I'll take the rear. Anyone stands in our way, the other can stab him in the back. Tout à fait. Est-ce que je peux aller par là? Je crois qu'il y a un coffre. Ah, let's go pour devant. No, they can't have left the village. 5 peaux épaisses. Putain, c'était worse. Ils sont tellement discrets, les coffres, faut les voir. Kofuru. Non, je peux pas aller par là. Gros coup. Ok. Et moi, je veux fouiller.
Clyde, je veux vraiment que t'ailles plus vite, par pitié. Il est où l'aéronef là? Sous les ruines de l'aéronef? Je comprends pas. Je suis perdu. On va juste suivre la quête. Hein. Gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog. Oh. About time. Macho man. Stand back. Tous morts. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but... I thought you were joking. It's all right. He's with me. Is this everyone? No. There were others. A pair of royalists came for the bearers just before you arrived. Was a dominant among them? Maybe. It's not like he was holding a sign. Oopsie. I'll give you one guess where he's going. Ah, reviens, gamin! After him. Waifu. The dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. Oh, le mec, il a des tresses dans la barbe, dégueulasse. Il en a qu'une. C'est quoi ça? Some may still be worth keeping should the dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast. Will you join me? My thanks. To our Lady of the Wind. And the King! Ugh. Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta! Imperials! Ah bah oui, je porte l'armure sans bréquoise, ils doivent croire que je suis un impérial. And instead of killing them, you lead the rat straight to us. Mercy. Elle est un peu trop confortable avec le fait d'exécuter tout le monde, elle. Look what we have here, boys. An imperial bearer. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je suis. Enfin, c'est ce que j'étais en plus pour de vrai. Boo.
Oh, ça invoque Utsukushi. Stylé. Laisse ce gong. Ah, bravo. Bon, elle m'a mis un stun. Je suis con, j'aurais dû le garder. Et ça, faudrait que je les utilise en début de combat. Comme ça, je fais des gros dégâts en début de combat. Et après, j'ai le temps de... Ils ont le temps de recharger. Je suis un peu à chier. Ah oui, alors Thorgal. Thorgal, le soin. Thorgal, j'ai compris que son soin, en fait, c'était un... C'est pas heal, c'est régène. Voilà, je voulais pas faire ça. Et je galère à utiliser toutes les touches du jeu. Hein. Je suis vraiment une merde. Putain, merde. Ah, vas-y, fais chier. Je suis vraiment pas bon. Oula, médaillon d'ecclésiastique, accessoire, un pendentif, porte-bonheur qui renfermerait le pouvoir de guerre, les blessures et les conjures, et de conjurer le mauvais sort. Il brille légèrement, sans doute parce qu'il est décoré de fragments de cristaux brisés. Augmente le potentiel de soin des potions de 20%. You've got some fight in you, even for a branded. Clive. Look who's here to save the day. Is this how you recruit all of your charges? Don't recall you complaining, Benedicta. Hmm? So, Sidolphus. Il baisait complètement, c'est de la baiser de fou, c'est obligé. Why was it that you betrayed your kingdom? Donc lui, il servait Odin aussi. À Barnabas. Lord Commander. Why? Because I've had enough of you and your king's antics. Est-ce qu'on a des news? L'émissaire de Ramiel, chef du repère, un lieu détenteur du pouvoir exceptionnel, Sid a vécu une existence nonchalante sans s'attacher de façon permanente à un pays. Il a préféré suivre ses convictions et mener actuellement des actions pour protéger et défendre les pouvoirs des émissaires. Ok, voilà. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? As if I'd tell you. Lady Benedicta, we have secured the dominant. Holy, something is there. Ah, ils ont narutardé. And she's gone. Did she say where she was going? No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But
Et pourquoi ton pote s'est barré alors? Ok. So, it wasn't about bears at all. They were looking for a dominant. Yeah, that's right. I thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. No offense. When no one talked, they started rounding up everyone with a brain. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. Putain, il a une bonne descente, ce. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. Yeah. This is our home, innit? Don't mean we weren't able to. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion the Bold, whose tamed worms a thousand and slain. Ah, j'ai trop de voir Dion. 100 full legions the young dragoon led, and watched as a million foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it spanned as the deep. The skies over storm race for listen, Clive. Revenge won't bring him back. It won't. 13 years ago, I watched a dominant kill my brother right in front of me, and I did nothing. But now I can. I can kill the son of a bitch and bring peace to my brother's soul. After that, whatever happens, happens. Wait. You're content to be its slave, then? Donc là, il était tellement matrixé qu'il a pas capté que c'était lui, Ifrit. Au même moment, au nord vont territoire impérial de Sombrec. Yet here we find the empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Putain, elle l'a capturé. Perhaps you are distracted. Still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves. C'est qui cette sbire avec lui? Lord Margrace, don't. Margrace. The fuck. I'll give you a moment to consider your options. Putain, fou. Bénédicta, arrête de marcher, par pitié. C'est très distrayant.
Qui a définitivement mes théories sur ce mec étaient totalement fausses. C'est ni Clive ni Joshua avec des retours dans le temps chelous à l'attaque des titans. Du coup, pourquoi est-ce que les deux ont le même pouvoir? My bad. My breaking bad. Canovent. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the Dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun, why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Est-ce que je suis meilleur guerrier que toi aussi, au passage? When you put it that way. Suppose I better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. I won't. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clyde. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. Nuit d'angoisse. Qu'est pas ça? Mise à jour de l'échoppe et de la forge en progressant dans la popée. Les articles vendus à l'échoppe de Caron ainsi que la liste des objets à renforcer ou à créer à l'atelier de Blackthorn sont actualisés. Il est bon de garder un œil sur ces mises à jour pour obtenir des armes ou des équipements puissants. Mais c'est marqué où les infos? Tout à fait. Menu du court pendu, boisson, eau, vin, bière, selon l'approvisionnement de Franck Castel, plat, machin, truc, très bien. Là-bas c'est la quête, mais alors, comment est-ce que je suis mis au courant qu'il y a des changements au hub? You're the kind man who saved mommy. Thank you. You're the kind man who saved mommy. You're the kind man. Boutique du hameau. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Épée longue, à chier. Bon, après, en même temps, elle est pas up. Après, je peux peut-être la craft aussi, en vrai. Écharpe du loup. Ça vaut le coup de balancer 630 gills pour 2 points de défense supplémentaires. J'en suis pas persuadé. Ah, là, 10 points, quand même. Celui-là, je vais peut-être bien prendre, en vrai. Météorite, ça coûte 1000 gills, what the fuck, bro. Guy officinal, cette plante parasite de petite taille pousse sur le tronc des arbustes de la région de Sambrec. On l'utilise comme colorant textile, mais elle sert également depuis toujours en apothicairie, comme diluant médicinal. Je vais t'en acheter 5. Parce que j'en ai aucun. Partition de sérénité sambrecoise, 40 000 gills. On ignore qui a rédigé cette curieuse partition, mais un morceau de musique qui est inscrit permet de jouer le morceau sérénité sambrecoise sur l'orchestre. Orchestrion du repère, putain. Ah, et ça vend des potions aussi. Je vais t'acheter 2 potions de base. Oh, yes. Bon. Le truc, c'est que le stuff, j'aimerais voir si je peux le crafter... Cut die. J'aimerais voir si je peux le crafter au hub. Donc en vrai, je vais aller au hub. Mais alors lui, il va vouloir que je lui parle direct ou ça... Non, ça peut attendre. Nice. Où était le truc qui était là? Oi, I've got some light over here.
Ah non, je croyais qu'elle avait une quête, mais pas du tout. Ok, let's go back au web. This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. Il me prend pour un con. Mais comment je l'utilise? Et je pensais qu'il fallait que je... se déplacer vers le... Ah non, mais je peux me déplacer vers le monolithe. Ah, c'est pour avoir des voyages rapides vers les monolithes. Tout à fait. Ah, ce gong. De nouvelles marchandises. Est-ce que j'ai des nouvelles quêtes? Ah oui, j'ai des nouveaux modes là. Revisitant un niveau précédemment terminé pour viser un meilleur score. Le niveau, une partie d'équipement et les objets de Clive seront limités. Si le jeu est paramétré en mode histoire, ce réglage passera en mode action. Revisiter un défi, affronter de nouveau un défi précédemment terminé avec les caractéristiques actuelles. Les coffres déjà ouverts le resteront. Très bien. Where to next? For now, we rest and regroup. There are far too few of us as it is. Excuse me. You're leaving? Already? Well then, stay safe. And what do you Karen. Want? Taking an interest, are you? Bienvenue à votre surprise. Je devine que vous vous attendiez pas à trouver de marchands ici. C'est pourtant simple, j'ai un arrangement avec Siege. J'approvisionne le repère en denrées et en ressources et il m'informe sur la situation un peu partout dans le monde. Je fais les affaires dans le monde entier tout en restant à l'abri ici. C'est une aubaine quand on sait combien les dangers sont nombreux là-dehors. Ah mais toi tu vends direct le stuff aussi. D'accord, et elle me vend le stuff que je trouvais aussi à la nef. Et les potions, et les machins, et ok. Ok, super. Alors, non mais je veux crafter en fait. Voilà, et donc là, écailles d'archéosaure, minerai draconique, griffes de dragon. Je gagne 5. Je pourrais faire ça aussi, hein. Qu'est-ce que je voudrais? De la meilleure défense ou de la meilleure attaque, là? Donc, il y a des objets que je pourrais acheter, en vrai. Hein. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher, donc je pourrais crafter ça, en vrai. Hell yeah, équipe-toi. Est-ce que je peux la renforcer? Épée plus un météorite. Et ça me coûte pas de thunes, juste vraiment le craft. Ça, je peux la faire. Peau épaisse, crocs d'animaux, crocs d'animaux. Allez, hop. Voilà. Et je m'en fous, je vais la vendre. Hein. Et de la météorite. Hop. Et du coup, là, j'ai plus assez, évidemment. Donc, je vais aller l'acheter, le bracelet. Elle est belle l'épée longue. Pour l'instant, c'est des épées basiques hein, que tu vois partout dans les œuvres médiévales. Shut the fuck up, bro. Déjà, je vais te vendre des trucs. Oh, elle est à chier. Je peux pas vendre les. Ah, si, l'épée là, je peux la vendre aussi. Je vais te vendre ça. That much. Bon, on est d'accord qu'on peut pas. Oula. Bon, je te vends ce stuff de merde. Ah oui, je l'ai pas équipé, lui. Ça se vend cher, les trucs comme ça. Ouais, mais je vais pas vendre les matériaux de craft. Je vais pas encore les vendre, ces stuff. Et à l'achat, je vais t'acheter le bracelet. Ah, j'avais un poignet de fer aussi que je pouvais acheter qui était à... qui me donnait plus 5. Du coup, je peux donc direct le bracelet sombre et quoi. Ah ouais, j'étais avec le bracelet sombre et quoi depuis le début. Innocent.
What do you want? Alors, est-ce que ça s'améliore là où j'ai pas assez? Non, renforcé. Non, mais je suis con. Je suis très con. Écaille d'archéosaure, un sur un, bracelet de voyageur, crocs d'animaux. Donc je pourrais le faire en plus de là. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Allez, déjà plus de mon épée longue. Attends, il me prend pour un con. Allez, déjà à plus 2, mon écharpe du loup. Bracelet de voyageur à plus 1. Bon, ça ira très bien comme ça. Par contre, je veux bien mettre l'anneau de synergie, on s'en fout. Putain, je peux pas les virer, ces trucs. Là, il me les trie par quoi? En compte, le potentiel de soin des potions de 20%. Allez. Ok, on est bien. Donc pas de quête. L'encyclopédie, je reviendrai le voir plus tard. Orchestrion, stèle d'excellence. L'impression pour l'instant on est bon, on se casse. En vrai je peux direct map monde, on retourne à la nef. Shut the fuck up. Pipou, pipou. Ah oui, il allait vraiment lui parler solo. En plus. Heureusement que je l'ai un peu esquivé. I thought as much. Where do you find that one? Oh, him. You wouldn't believe me if I told you. Quinton here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. That he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own Dominant of Fire? A Dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lostwing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma, as a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Broche obtenue, Quentin remet son emblème à Clive en gage de confiance. May the mothers guide you. This might be Imperial land, but here in Lostwing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lostwing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Euh,
Allez, allez, faut que ça bouge là. S'ils bronlent avec leurs cristaux. And took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Now, what can I help you with? I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. Ouais, enfin les besoins de la dominance. Ah, lui, j'ai l'impression que penser que son était un. One of the other bearers might have died. Thank you. Donc tu servais à rien, parfait. Ça discute bien là ? J'ai l'impression que non. Coffre, là. Bloody cowards. Oui, je suis déjà venu ici. Bonjour. That a hanged man, I see. Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now. These others, was there a dominant among them? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did. Including the church. And wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. I wonder if Sid's found anything. I'll tell you one thing for nothing. That girl with the hooded bloke weren't his missus. More like his pet blimmin' curl. Est-ce qu'il vient d'un royaume au nord, vu qu'on sait que le nord c'est assez inconnu comme territoire? Et en fait, c'est le frère de Clive, c'est la vraie famille de Clive, et les deux sont capables de se transformer en Ifrit, et il est venu pour réveiller le pouvoir en Clive, pour break the wheel. J'ai envie de me battre, je veux de la bagarre en fait là. C'est pas que c'est pas très intéressant. So, a shady lad with a hood, and his equally shady lad. Ou alors dans des mots de l'histoire intéressante. Not much to go on, but I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalist to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waludas have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble for us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Let's go. Paf, je te fais tout tomber. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. Ah bah super, bravo. The floor will more than suffice. Merci beaucoup. Better than a wet rock, I suppose. Connard. My thanks, Quentin.
Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. Non mais frérot, tu... The royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Le mec, il nous demande un service en échange de nous faire dormir sur le sol. On est quoi, t'es pute? Exécution sommaire de Quentin, là. Je sais pas si j'ai la carte. La nuit suivante. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade. It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at the deepest. Well, I should rather wait. Let's go, let's go. No more waiting. Voilà, merci beaucoup. The road south, then. Unless. I know another shortcut. Ils disent rien, hein. Porte du coteau. Hommage. Hommage à MV. Come back to me, my darling. Quels amis. The road here cuts through Lorbert's Pass to Cair Northern. You're not thinking of heading that way, are you? Oh yeah, si si. Ah, voilà. We're looking to take the care that have posted sentries to prevent any unwelcome surprises. At least I would have. Well, you should know. Sympa les petites lucioles de partout là. Ça crée une petite ambiance. Deux gills. Bonjour. Aveugle, j'ai failli le rater. What are the royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it, the king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he sent his best to execute it. Il a un plan Galaxy Brain, Barnabas aussi. Ça en fait plusieurs. Hein. Ça fait l'émissaire de feu qui a un plan Galaxy Brain. Le roi ou l'empereur de l'Empire de Sandbreak. Attends, je vais où là? D'accord, ouais, cul-de-sac. C'est parfait. Pourquoi faire le cul-de-sac là? J'ai pas compris. Oh, y a des poissons. Oh, let's go, but what the fuck. Météorite, allez, je prends. Putain, faut vraiment pas les rater, les coffres. Bonjour. Stay down.
tell your lady you tried. Objet vu. Mais pourquoi ils nous mettent ça par terre? C'est pitoyable. Les frérots. Oh. Ah bonjour, je t'avais pas vu. Je sais pas si ça fait vraiment. Je fais combien de dégâts? 23 et tir chargé. Je vois pas les dégâts de tir chargé. 314, ah ouais quand même. Ah oui, ça vaut le coup. Ah, bien joué. Ça vaut le coup de charger Fiera, en fait. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Attends, j'ai vu l'objet là-bas. Je l'ai vu. Enjoy battering down the front door. I hazard this endeavor will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is... Use the power I've been given to show people there is hope. Giga Chad, hein, Sid. Eh ben ça tombe bien. Mais frérot, c'était pas fini. Je pouvais encore visiter là. Je pouvais monter jusqu'en haut. Bon, c'est pas grave, on reviendra. Fornorvan. J'ai pas lu le lore. Si, je l'ai déjà lu. Et pourquoi... Oui. Qui plus est, elle et Sid semblent s'être fréquentées par le passé à la fin des pourparlers à la citadelle de Zirnitra. Elle a fait route avec sa troupe pour Sandbreak. De quoi, Lanissa? Quoi ce médaillon?
has fallen. The Eastern Territories all but belong to the Orcs. Les Orcs, de fait. I'll have my men ready to depart by noon. Don't bother. But what of the mines? Without adamantite... The blight would have engulfed the mines ere long. Besides, you already have your orders. Yes, my liege. The dark swallows more of the realm with each passing day. The land starved of the ether that gives it life. Mais ils ont plus de terre non plus. Fade, the people flock to the mother crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession of that blessing, it breaks us from within, hastening us to our own destruction. And so you do what must be done. I unite the dominance, that we may bring an end to the strife, and found a new order to see us unto tomorrow. Ça sonne comme un bon plan. The world must be restored, and I will see it so. You might have already had Sidolphus not betrayed us. Him again. Lust you still for his embrace? But, of course not, my liege. Sex? I serve you, and you alone. Ça va vendre des millions de copies, ça, frérot. I remember well the day you first entered these halls. Your pale hand pressed into his, as if you would never let go. That was a long time ago. Yours is the only hand I need. Now and always. Soon, my dear. Soon all will know whose hand it is that keeps them from falling into the darkness. Okay, Un petit peu de lore. Les orques, il y a des orques dans le jeu. Des hommes bêtes vivant au gris levant, il s'agit probablement de l'espèce la plus belliqueuse après les humains et leurs forces combinées peuvent rivaliser avec celles d'une nation. Ils se disputent d'ailleurs depuis longtemps le gris levant avec Valod, à qui ils sont parvenus à arracher la partie orientale du continent. Leur nombre diminuant de jour en jour face à l'avancée du fléau noir, ils se battent aujourd'hui pour leur survie. Fuck, désolé gars. Le royaume de Valod, le seul état présent sur le continent du gris levant. Donc ok, vers Ponant, c'est... la partie ouest de Valistea et Gris-le-Vent, ça doit être la partie est, j'imagine. Ce royaume a pour capitale Steinir et possède un cristal-mer Eshindra, qui, bien que doté d'une puissante armée, Valod est menacé d'une part par les belliqueux hommes-bêtes vivant sur son territoire, d'autre part par l'avancée du fléau nord. Le roi de Valod, un souverain du nom de Bardama Starmer, sa présence digne et majestueuse impressionne ceux qui osent s'opposer à lui. Hold me, my liege. Never let me go. Bon, j'imagine que ses intentions sont nobles, mais sa façon de faire est dégueulasse. Si Sid s'est pas barré pour rien. One of our sentries has failed to report, my lady. Con, elle a capté un truc. Pull the men back inside the care, Geralf. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain them there. Je suis pas l'animal de Sid, what the fuck. You've come for me after all. C'est mon daddy, Ulu. Ouais, on se rapproche doucement là du premier vrai combat d'Icons. All clear. Et du moment après lequel on ne sait pas du tout ce qui se passe. C'est insane quand même que là, à ce stade du jeu, on est à quoi, 5 heures de jeu? Qui sème le vent récolte la tempête. Ok, là c'est le début de la démo avancée du coup. Je vais sauvegarder un coup. C'est quand même insane que là, à ce point, je pense qu'on a quoi, 70%, peut-être 80% de tout le plan marketing du jeu nous a montré en fait les 5 premières heures du jeu, pas plus. C'est insane. Pour leur coup, leur marketing était vraiment au point. Petit coffre là.
Par contre, évidemment, là, on n'a que Phoenix, on n'a pas d'autres habilités d'Icon en notre possession, ce qui fait sens. Parce que comme on le voit, pendant le combat contre Benedicta... Clive les absorbe après les avoir combattus. Cette démo, je l'avais pas faite d'ailleurs. You're gonna give up. Sid, this gate. Need some help. Yes, please. Ah oui, il se prépare pour nous là. Ah non, c'est trop bien. De quoi tu parles, frérot? Ah, la merde. Mais sinon, mets-lui le connard. Pas de coffre, rien du tout là, c'est ça qu'on dit là. Merci. Bloody show off. Tu peux le faire si tu peux le faire. Oh putain, il y a deux chemins, c'est un open world. Attends, wait. Mais pourquoi il est mort, lui? Ah, mais ça, c'est un sombré, quoi, lui, ok. J'ai pas vu ce que j'ai ramassé. C'est par où qu'il faut aller? Ah, j'ai pas de... Soit d'acier... J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller, donc je vais backtrack. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est sombre, mais bon, c'est de nuit, quoi. C'est pas comme si on y voyait carrément rien. J'ai jamais vu les gens se plaindre du fait que Dark Souls soit sombre as fuck. Hein. Ah, ou c'est peut-être là, en vrai. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Oh... Alors si on s'occupait d'abord mais... Je voulais pas faire ça hein. Bon lâche. Et pourquoi je galère comme ça avec votre putain de gameplay là? Ça c'est chaud. Lock les ennemis quand c'est un groupe d'ennemis, c'est compliqué, surtout qu'il veut pas switcher, c'est chiant. Leur système de lock, il est un peu mal foutu, on va pas se le cacher.
Enfin, il est très bien quand t'as qu'un seul ennemi en face de toi. Mais quand on a plusieurs, c'est le bordel. Oh. Non mais c'est vraiment par là qu'il faut aller. Bah je me casse. Je suis sûr que tu pourras aller plus vite que là. Persuadé. Belle forêt. Damn it. They're everywhere. Mais je comprends pas. Je suis venu là pourquoi ? Pour aller ici, aveugle. J'ai accès à plusieurs chemins en vrai, je comprends pas. Enfin, genre, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça le délire ? Je comprends pas très bien là. Oui, je crois que c'est ça en plus pour de vrai. Ça, c'est le coffre que j'ai ouvert. Oui. Bon, ça va. Putain, je commence à avoir chaud de fou là. J'ai chaud de fou quoi. Hein ? Oula, oula. Vas-y, attaque. Ah non, mais ouais, non, mais oui, bah oui. Vas-y, attaque. Merde. Vas-y, j'ai envie de te mettre un pari. Allez. J'y arrive pas, laisse tomber. Quand ils me font galérer eux. Putain. Il veut pas me soigner en combat. Never were one for half measures, were you, Benedicta? These poor souls didn't know what hit them. Oh.
What? Ardeur de phénix, cyclone écart d'un fragment d'éther terrestre qui s'est délicatement cristallisé sous forme d'agrégat. Il renferme un pouvoir magique légèrement supérieur à celui d'un cristal ordinaire, mais à l'effet que sur un périmètre très limité. Il augmente les dégâts de la compétence de phénix cyclone écarlate de 8%. Ouais, d'ailleurs, je me dis que... peut-être repasser sur cyclone écarlate en vrai. Hein. Pour l'instant, cyclone écarlate, c'est onde incendiaire, c'est littéralement la moins intéressante. Sauf si t'arrives à caler le pari magique. D'animaux. Bonjour. Ils peuvent ramener leurs potes, hein. Ça fait plus d'XP. Garde de l'ennemi. Certains ennemis se mettent en garde pour se protéger. Dans ce cas-là, les attaques frontales n'ont plus aucun effet. Il est alors plus efficace pour porter ses coups par derrière pour reprendre l'avantage. Il est possible de briser la garde d'un ennemi avec certaines compétences comme tir chargé ou lame ardente. Exact. Oh les chiens. Oh, j'ai réussi à le caler, let's go. Non. Oh. Ah, ça fait plaisir de s'entraîner un peu de temps en temps aussi au pari. Je sais pas si le pari magique de l'attaque de Phoenix est plus permissif ou si j'ai juste bien timé dès mon premier essai. Clive, t'as le droit d'aller plus vite, je te promets. Je voulais pas faire ça. Dipo épaisse. Y'a d'autres coffres là?
late for prayer, isn't it? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? Fausse déité? I was waiting for you. Not for too long, I hope. All this for a midnight chat. C'est qui la fausse déité? Well, let's chat then. Where are the men and women you took from Lost Wing? You mean where's the Dominant? Well, we shall be requiring his services indefinitely. Come back to me, Sidolphus. I need you. Think of all the things we can create together. The world that we can build. You need me? Your king needs me. I'm all for building a new world. Just not his. That bastard's dreams are as twisted as his promises are false. And I want no part of it. King Barnabas saved you, and this is how you speak of him. Have you no shred of loyalty? What? To a leader who'd use me? Like he uses you. You know nothing of me, Sidolphus. You're right. I don't know who you are anymore. Or what you want. I only know what you used to say. That you were tired of running. That you just wanted to be free. Free of it all. You weren't lying to me then, so what changed? What made you think you had to sacrifice who you were to get what you wanted? Sacrifice? I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? If there's no shame, then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander. I was a fool to believe you might have changed. The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore. Elle a 200 red flags, mais le rouge c'est ma couleur préférée. Then you leave me no choice. Goodbye, Sidolphus. Oh Goku. Faut arrêter de fumer, Sid. Les bébous. The least is not three against one. Super. Give them all you've got, boy. Je suis vraiment une merde. Vous attaquez un jour ou pas ? Non !
Ah. Oh. Oh. J'aurais pas dû l'utiliser, mais je l'ai fait. Soigne-moi, boy! Ah, là, elle se vénère enfin. Oups. Ah, sinon, voilà. Lock là, elle. Putain, mais je suis à chier sur tout! Ah merde, je l'ai pas. Ça va pas marcher. Parce que je suis une merde en vrai. She doesn't look happy, Togo. Come on. Oula, oula, d'accord. Keep your distance, boy. Vraiment une grosse merde. C'est insane. Je fais n'importe quoi, c'est incroyable. Putain, je voulais le pari, ça a pas marché. C'est quoi, je vais la virer cette attaque hein, parce qu'il faut déjà que j'apprenne à. Faut déjà que je sois à l'aise avec le système de combat, ce qui est pas du tout le cas. Donc me concentrer sur le pari magique avec cette attaque là. Je crois que je vais éviter pour l'instant. J'en ai marre d'être nul. Je vais jamais réussir à l'esquiver. Hein. Pas bon du tout. Matériaux, machin, truc. Putain, Bénédicta, ça va être un délire. Hein. She has wings, you don't. What about you? Before or after I catch my breath? Sorry.
Come on, Toggle. Il n'y a rien à looter dans la chapelle. J'ai combien de points de comp là? Je sais pas où c'est marqué, ça me casse les couilles. 865, ok. Fait chaud dans votre pays là? On se casse. Fait, frérot. Oh. She must be here somewhere. Allez, potion que je prends. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Attends, frérot. Ah ah. Des super potions et tout, nice. Ardeur de phénix, son incendiaire. Ah oui, j'ai dit que... Je sais pas, mec. Parce qu'en même temps, j'ai envie de jouer le beau jeu avec les paris, quoi. C'est vraiment pas. Qu'est-ce qu'il me montre avec les attaques de vie? Et là, il envoie que deux ondes. Il faudrait que je l'améliore pour qu'il envoie plus d'ondes. Je vais me concentrer sur ça pour l'instant. Pas de temps à perdre, j'aimerais bien terminer l'épisode sur le combat avec Benedicta. Allô? Certains ennemis peuvent utiliser le sort de soin pour régénérer les points de vie de leurs alliés à proximité. Le recommander de les vaincre en priorité pour ne pas faire durer le combat. D'accord, hein. C'est vraiment à chier, le sort feu de base. C'est vraiment juste du poke. Hein. Deux guilds, sinon m'arrêter de lâcher ça par pitié, c'est honteux. Oh putain, sans break au loin, c'est stylé. Hein. Oh. Je vais le faire cramer votre royaume. Et je vais sommairement exécuter votre roi. Tout à fait. Ah mais... That's enough. Attaque. Attaque. On se parle.
Par où je vais? Là-haut? Tout à fait. Bon, j'ai pas mal de soins, faudra les garder pour le combat contre Benedicta si possible. Bonjour. Non mais... Mais change de cible, enculé! Ah, c'est incroyable. Faut que je mette un dash pour qu'il fasse le finish. Ils sont où les soigneurs? Putain, mais il est où le soigneur? C'est qui soigne? Il est là-bas, enculé. Oh là là, je suis pas bon, mais je suis pas bon. C'est une scène comme je galère avec ce gameplay. Hein. Pas utiliser de soin, tout va bien. J'ai chaud. Bonjour. Ah putain, ils sont pleins. Ok. Ouais, c'est bien simple, ça. Casse les couilles, c'est inside. Une potion, tant pis. Je vais où, frérot? Celle-là? Merci. Ah bah, ça servait d'utiliser... Ah ouais, je peux porter que 3 super potions. J'aurais pas dû utiliser une potion, du coup, c'est pas grave. Tout va bien. Bonjour.
ici là. Finally. Ici là, Torgal. Quoi? Il est où ce con? Allez, on se casse. Bam, bam. Oh, la Voie lactée stylée. Putain, et quand tu vois les skybox dans le trailer de FF7 Rebirth là, le ciel de nuit, ça va être un délire. Allez, c'est parti. Orage. Que du bonheur. I confess I expected more from the old man. And less from you. This is the second time you've bested my sisters. Men of your talents are rare indeed. Why cost your lot with such undesirables? If it is the hearth you long for, you will find more than enough warmth under my wings. You know exactly what I want. Hand over the Dominant, and I'll leave you in peace. You would dare to make demands of me? Oui. Know your place, little lamb. Fool is the shepherd who heeds every bleat of the flock. And I will suffer yours no longer. J'ai pas envie de la blesser. Must I spell it out for you, Branded? No one is listening. No one at all. Come, little lamb, to the slaughter with you. Oui, maman. Ah bah c'est super ça. Méga vent. Ah bah je l'ai bouffé. Ok, elle a des patterns, elle a des patterns, faut que je fasse gaffe. J'ai bouffé. J'ai tout bouffé. Putain. Ah ouais, je l'ai bouffé. Ouais, chier. Comment ça, elle a déjà plus de vie? Ah non, mais j'espère que ça va aller par phase, hein, parce que sinon c'était ridicule, là. Ouais, c'est par phase, ça va. Il est trop bien, ce thème, putain. Where is he? I won't ask again. Tellement stylé. Hein? Dommage, j'ai trop bourré.
Ah, je le bouffe quand même, je le bouffe quand même. Esquive. Non mais esquive, esquive. Esquive, bordel. Ah bah je l'ai bouffé, c'est bien ça. Elle bouge beaucoup, hein. Et je prends tout. J'ai fait n'importe quoi. Comme d'hab. Voilà, des stabs. All stagger. Trois fois. Merde, le whiff. Non. Donc il se passe des choses là, hein. J'arrive pas à l'attaquer. Oh. Oh. Oui. Oui. Prends la max. Putain, mais fais tes combos. Un peu insane la meuf. Oh putain, cette attaque là. Oh. Stylé. Un sauvage Thorgal, je l'aime.
I'll kill you! I'll tell you about! Shit. Merde. Putain de merde, elle est tendue. Ah mais ça va, calme-toi encore. Non mais faut que j'arrive pas à la toucher. Hein. Elle casse les couilles, elle casse les couilles. Ah, faut lui mettre la max un peu là. Mais je suis trop con. L'esquive c'est pas rond mec. Oh. Ténacité de Phénix, flamme émergente. Augmente le potentiel de réduction de jauge de volonté de la compétence de Phénix, flamme émergente de 10%. Augmente le potentiel de réduction de jauge. Ok. Chef. You are but a branded. I. How? How did you do it? How did you even survive? How? The answer is simple, Benedicta. He was fighting for something he believed in. Shut up! Why aren't you dead? We've played your games. Now tell me where he is. Who? What are you? Let's go. Oui, c'est moi. Mais qui c'est qui attaque là? What the fuck? What the hell is going on? Ben, on sait toujours pas où il est du coup et on le laisse partir. Her power, you took it from her.
How'd you do that? Hell yeah. Fuck me. I hope the bear has found a way out. Clive, this place is ready to collapse. And I'd rather not be here when it does. If you're going to start combat. This fire, and I'm betting he did, he'll be long gone. Damn it all. Ah, ou c'est lui aussi qui a... Ah, voilà, ok. Putain, il parle. I created a diversion as commanded, Your Grace. The villagers escaped in the confusion. As should we. Yes. Mystère mystérieux. Ah putain, il fait jour enfin. The bastards who made him miss their morning gruel. Come on, if they catch us leaving a burning care, people might jump to conclusions. Right. Ok, c'était trop bien. À bout de souffle. Garuda, Clive vient d'absorber les pouvoirs de Garuda et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails des compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences. Dans le Garuda, étreindre le Garuda permet de saisir des ennemis éloignés avec les griffes, avec... oui, c'est ça. Il est ainsi possible de ramener vers soi les ennemis légers ou de les faire chuter ce plus lourd qui... Ou de faire chuter ce plus lourd qui sont en état de relâchement, ok. Donc Clive a obtenu les pouvoirs d'un nouveau primordial, il est possible de les activer en appuyant sur L2. Varier sa stratégie en alternant les primordiaux vous donnera l'avantage en combat. Voilà, le vrai jeu commence là. Temps de recharge des compétences de primordial. Après avoir utilisé une compétence de primordial, celle-ci devient inutilisable pendant un laps de temps. Le temps de recharge est représenté par la jauge sur l'icône de cette compétence. Les cercles colorés à droite des icônes indiquent la disponibilité de toutes les compétences de primordial activées. Tout à fait. Benedicta said you'd taken her power. You don't still have it, do you? I think I do. I can feel it. It's inside me. The flames. Well, are you not keen to try it out? What could possibly go wrong? Ah mais je voulais pas. Je voulais pas vous. Non, c'est pas grave. Ah non, merde, c'est le grappin là, je suis con. Bon, attention, on va arrêter là, on arrête. Il fait 2 heures. Bah, stylé. Très très stylé, bien sûr. Faut vraiment que je prenne ce système de combat en main et que je le mystifie, que je me l'approprie parce que je. Le démystifie plutôt, et que je me l'approprie parce que c'est la galère un peu. Les bisous, merci d'avoir regardé l'épisode. Pouce bleu, abonne-toi, la cloche comme d'habitude, à très bientôt pour plus de Final Fantasy XVI. Des bisous, ciao ciao.